Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer que le, que le chat fonctionne bien Car la dernière fois, il y a eu un petit problème euh, technique lié au, lié au chat. Mais là, il semble fonctionner pour le moment. Bon, écoutez, si ça fonctionne bien, je vous propose de commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors, c'est un, un nouveau format que je vous propose. Euh, le but, c'est tout simplement, comme, l euh, comme je l'ai indiqué en présentation, parfait, bonsoir à tous, euh, c'est en fait de présenter un peu, plutôt se concentrer sur des livres. C'est-à-dire que je vous parle beaucoup de, de différents... Euh, attendez, je vais peut-être couper. Euh, mon portable, comme ça ça réserve la connexion à cet ordinateur. Voilà. Euh, en fait là, c'est un peu, entre guillemets, montrer euh, le, le travail qui se fait, c'est-à-dire pas simplement le, le résultat fini euh, que je présente sous forme de vidéo quand je, je, je vous parle de tel ou tel sujet, mais aussi un peu de, de la recherche qui est menée, notamment euh, à travers la lecture des livres. Et du coup voilà, j'avais au départ je pensais faire ça simplement sous forme de vidéo que... que je poste sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire sous forme de direct, car ça permettrait aussi d'échanger de... avec les personnes qui le souhaitent. Alors pour ce premier euh... pour ce... ce premier salon, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle New Covenant Theology. Description, définition, and defense. Donc, pour le coup, là, on est vraiment entre guillemets dans la théologie pure et dure, mais qui, vous le verrez, a de, quand même de nombreuses implications dans les différents domaines. Euh, alors, je réponds tout de suite à la question est-ce cette vidéo sur la théorie de, du complot euh, Non, 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 ça, on ne va pas du tout parler de théorie du complot ce soir. Je vais vous parler, en fait, euh, de système interprétatif de la Bible. C'est-à-dire, concrètement, en tant que chrétien, euh, comment on aborde... Alors la question peut être formulée de différentes manières, mais comment aborde-t-on euh, l'histoire Comment aborde-t-on la Bible Surtout le lien entre ancienne et nouvelle alliance. En fait, comment on comprend l'ancienne alliance Comment on comprend la nouvelle Et quel est le rapport entre les deux Qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau Voilà, c'est des questions un peu autour de... De cela, sachant qu'il y a dans le monde, de, monde chrétien, et même si on se cantonne au monde protestant, euh, de nombreuses approches différentes en fait, du sujet. Alors, il y a une première euh, approche là, qui, qui sort complètement de, du, du cadre du christianisme, mais, mais je vais quand même l'évoquer parce que régulièrement, euh, j'ai l'impression qu'elle revient euh, un peu à la mode, en tout cas, on en entend parler euh, à nouveau. C'est ce que j'ai appelé le néomarcionisme, ou le marcionisme tout court, c'est-à-dire la séparation euh, radicale en fait, de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais au point d'affirmer que ce n'est même plus le même Dieu. C'est-à-dire qu'il y aurait en quelque sorte un Dieu euh, de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. J'avais d'ailleurs fait une vidéo euh, là-dessus, le néomarcionisme d'Alain Soral. Euh, je vous la mets en lien. Alors Alain Soral lui-même est athée, donc euh, néo est à prendre, entre guillemets. Mais euh, ah oui, oui justement, elle, elle random euh, Soral de l'Esquin. Euh, donc moi j'ai fait justement une vidéo concernant Alain Soral. Et donc ça c'est, mais c'est un point de vue qui euh, séduit certains chrétiens, qui peut quand même séduire certains chrétiens. Euh, notamment quand il con constate ou qui pense constater de grosses différences entre Dieu tel qu'il nous est présenté dans l'Ancien Testament et Dieu qui nous est présenté et, et la présentation de Dieu dans le Nouveau Testament. Pour dire les choses un peu simplement, des fois on a l'impression que dans le Nouveau dans l'Ancien Testament Dieu est sévère, méchant, dur et tout ça, alors que dans le, le Nouveau Testament il serait juste amour. En réalité, euh, si on examine les textes de plus près, on, on voit qu'il y a une vraie continuité. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jésus lui-même ne renie pas euh, l'Ancien Testament. C'est-à-dire que lorsque Jésus se réfère aux Écritures, il se réfère toujours à ce que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Et Jésus s'inscrit clairement en continuité avec cela. Donc, on ne peut pas être euh, chrétien, on ne peut pas dire qu'on adhère au, au message de Jésus et rejeter euh, le, tout ce qui a eu lieu avant lui. Ça, pour moi, ça me paraît très clair. Mais une fois qu'on a écarté euh, cette, euh, cette hypothèse, il reste quand même la question du rapport, en fait, entre Ancien et Nouveau Testament. Et en fait, dans le, le monde protestant, on peut dire qu'il y a plusieurs euh, interprétations possibles plusieurs grandes euh, grilles de lecture, et le but de ce livre, c'est justement de présenter euh, l'une d'entre elles, qui s'appelle « La théologie de la Nouvelle Alliance ». Alors, les deux, les auteurs, je ne les connaissais pas forcément. Tom Wells, j'avoue, je n'ai pas trop d'informations dessus. Fred Zaspel, qui est le deuxième auteur, euh, j'ai un autre livre de lui, c'est « Un spécialiste de B.B. Warfield », qui est un des grands théologiens euh, évangéliques euh, du XIXe siècle. Et euh, Zaspel se présente plutôt, entre guillemets, comme pasteur réformé-baptiste. Alors, même si je vous ai expliqué que réformé-baptiste, c'était un peu un oxymore, c'était comme se dire euh, végétarien carnivore, mais bon, toujours est-il que voilà, il se présente comme réformé-baptiste. Et. Euh, mais donc, je ne connais pas spécialement les, les auteurs, et c'est surtout le titre et le sujet de ce livre qui m'ont intéressé. Alors, je, je précise que euh, c'est une position à laquelle j'adhère personnellement. C'est-à-dire que parmi les grandes euh, options que je vais, je vais vous présenter, euh, j'adhère à, à cette position et. Du coup, je préfère être transparent là-dessus parce que je, forcément, si c'est une position à laquelle j'adhère, je vais peut-être juger le, le livre plus favorablement. Alors, bonne question euh, de Vincent qu'est-ce qu'on fait des fêtes annoncées dans la Torah Alors, je, je n'y réponds pas tout de suite, je, je vais continuer la présentation du livre, mais effectivement, on, si j'oublie, repose la question à la fin, sinon j'y reviendrai, car c'est effectivement un, un sujet qui est en lien. Alors. Quelles sont les, les grandes positions qui existent dans le monde euh, protestant évangélique Je dirais qu'une des, des positions peut-être les plus connues, c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Et pour l'anecdote, euh, ceux qui, euh, ceux qui le, le, on va dire, euh, me connaissent un peu, savent que je fais ma thèse sur ce sujet. En fait, ma thèse de doctorat porte sur le dispensationalisme, mais que j'aborde surtout euh, d'un point de vue historique. Alors, pour présenter brièvement les choses, euh, le dispensationalisme, qui est avant tout une méthode d'interprétation de la Bible, a comme particularité de séparer assez radicalement Israël et l'Église. Et pour les dispensationalistes, le, je dirais le but, la finalité de l'histoire terrestre, c'est Israël. Israël étant compris comme le peuple juif. Et du coup. L'histoire de l'Église, c'est une parenthèse euh, dans l'histoire, on peut dire, euh, de l'humanité. Et certains vont même jusqu'à dire que c'est une parenthèse, par exemple, qui n'avait pas été forcément vue par les prophètes. Donc, les dispensationalistes séparent vraiment euh, la nouvelle alliance de l'ancienne. Et il y a pour eux deux peuples. Le peuple, si on veut dire le peuple juif, et les chrétiens. Et il y a de nombreuses promesses bibliques qui ne s'adressent qu'au peuple juif et qui doivent être accomplies littéralement. Et c'est pour ça que euh, les dispensationalistes sont souvent euh, ce qu'on appelle sionistes chrétiens, c'est-à-dire qu'ils pensent que euh, l'accomplissement de ces promesses passe par la restauration d'un État juif sur terre. Alors ça, je ne vais pas trop développer car on aura l'occasion d'en reparler euh, dimanche prochain lors du code Libet. Mais c'était juste pour présenter un peu brièvement cette interprétation et signaler que c'est quelque chose de très répandu dans le monde évangélique, même s'il ne faut pas assimiler tous les évangéliques à cette position. Puisqu'il y a aussi des évangéliques qui adhèrent à des positions très différentes et que je vais présenter tout de suite. Il y a une autre euh, position. Euh, importante dans le monde évangélique et qui, je dirais, est assez à la mode en ce moment aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'alliance. C'est une théologie qui, à l'origine, est issue euh, du monde réformé et qui, euh, là, au contraire, insiste sur la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance et surtout insiste, on va dire, à, adhère à ce qu'on appelle la doctrine de la tripartition de la loi mosaïque. Alors c'est une doctrine qui n'a pas été inventée euh, par les protestants, puisqu'elle est reprise à la théologie médiévale et à, à certains pères de l'Église. Et en fait, cette doctrine dit que la loi de Moïse est euh, divisée en trois parties les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles, et que en tant que chrétien nous avons toujours à suivre les lois morales. Donc, et parfois aussi, certains vont défendre euh, l'application des lois civiles, mais euh, ça, ça peut être débattu. Et en fait, seules les lois euh, cérémonielles sont écartées. Donc, ça, c'est la deuxième position, euh, celle des, euh, de la théologie de l'Alliance. Et on peut dire qu'en quelque sorte, la théologie de la Nouvelle Alliance, se situe la théologie des alliances, pardon. La théologie de la nouvelle alliance se situe entre les deux positions. C'est-à-dire qu'elle reconnaît une certaine continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais elle insiste beaucoup plus sur la différence aussi qui sépare euh, ces deux alliances et la nouveauté de la nouvelle alliance. Pour euh, donner un exemple, Enfin, plutôt, une il y a une image qui est utilisée dans ce livre, justement, et qui me paraît très pertinente. C'est celle de la chenille et du papillon. Quand vous avez une chenille, ensuite, qui devient un cocon, et à la sortie du cocon, elle se transforme en papillon. Est-ce que vous avez la même personne, enfin, la même créature, ou est une créature différente eh bien, Vous voyez, il y a ces deux aspects. C'est en même temps... Le papillon, c'était bien la chenille qui était là avant. Et pourtant, après être passée dans son cocon, elle a un aspect complètement différent. Et ça, je trouve que c'est une métaphore qui illustre de manière très pertinente le rapport entre les deux lois, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est bien le même Dieu qui est à l'origine euh, de ces deux alliances, mais en même temps, on voit bien que la nouveauté de Jésus, que la venue de Jésus a apporté, quand même, une, une, des nouveautés considérables. Et un passage, d'ailleurs, qui est beaucoup euh, discuté euh, par rapport à cette question, c'est le texte de Matthieu 5. Et d'ailleurs, il est débattu dans ce livre, Matthieu 5, euh, 17 à 20. Donc là, vous voyez, il y a même euh, trois, quatre chapitres. Qui sont consacrés à la discussion autour de Matthieu 5, 17 à 20. Donc je vais juste vous mettre le texte brièvement. Voilà, on va le lire ensemble. Donc c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que la, le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Donc en fait, toute la question est de savoir, lorsque Jésus dit qu'il est venu, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, qu'est-ce que cela veut dire Et en fait, c'est une question euh, que j'avais déjà eu l'occasion d'aborder alors dans plusieurs vidéos, mais notamment dans le, le débat que j'avais eu, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il y a quelques, euh, quelques mois maintenant, j'allais dire quelques semaines, mais je crois que ça remonte maintenant. Oui, il y a cinq mois, avec euh, Michael. Donc Michael qui est un adventiste, et on avait notamment euh, discuté de, du fait, est-ce que le chrétien doit observer euh, le sabbat Et ça justement, c'est un, une question, donc je vais vous mettre le lien ici, qui est abordée dans le livre. Car elle permet justement, euh, c'est un des sujets euh, qui permet de distinguer les, deux, les différentes approches. Et ce que j'avais expliqué, ma position, c'est qu'en fait, le, le chrétien doit suivre le sabbat. Simplement, le sabbat sous la Nouvelle Alliance a été complètement transformé par rapport au sabbat sous l'Ancienne Alliance. Et c'est là où la métaphore de la chenille et du papillon me paraît importante, c'est qu'on voit que le sabbat dans l'ancienne alliance, c'était s'arrêter de travailler un jour précis. Alors que pour nous chrétiens, alors c'est pas mal d'avoir des jours de pause de temps en temps, hein. et si on peut par exemple passer le dimanche en famille ou des choses comme ça, c'est très bien. Mais euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique bien que le, ce, ce jour de repos, en fait, c'est seulement un symbole, une image du véritable repos qui est en fait la confiance en Christ. C'est-à-dire que sous la nouvelle alliance, en quelque sorte, nous sommes tout le temps dans un état de sabbat. Et cet état de sabbat, c'est l'état où nous nous confions pleinement en Christ. Donc le principe du sabbat reste valable, il reste parce que c'est un principe créationnel, simplement, il se manifeste différemment. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément un, seul, un jour dans la semaine, mais c'est un état constant. Et donc là, vous voyez un peu les, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Par rapport donc, à la doctrine des alliances classiques, entre guillemets, de la théologie réformée, la théologie de la nouvelle alliance a euh, tend, en fait, à accentuer quand même la différence entre euh, entre ces deux alliances. Et surtout, et pour moi c'est vrai que c'est un des points majeurs d'un point de vue historique, euh, la théologie de la nouvelle alliance aborde la loi de Moïse comme un tout. C'est-à-dire qu'on ne, ne la divise pas en trois parties, comme je l'ai dit précédemment. Et pour moi c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'adhère justement à cette position, c'est que la division tripartite de la loi qui a été développé euh, par certains courants théologiques chrétiens, est en fait euh, un anachronisme complet par rapport au texte biblique. C'est-à-dire que cette séparation entre loi civile, loi morale ou loi cérémonielle ne peut pas se retrouver à partir du texte biblique. On est obligé euh, d'aborder le texte biblique avec une mentalité qu qui lui est complètement étrangère pour découper la loi en trois. En fait, dans la mentalité biblique, la loi forme une unité indissociable. Et ça, Jacques, par exemple, le dit très bien. Un autre point important, et là qui l'oppose plutôt au dispensationalisme, c'est que la théologie de la Nouvelle Alliance euh, considère qu'il y a un seul peuple de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. C'est euh, il y a une continuité entre le peuple de l'ancienne et le peuple de la Nouvelle Alliance, mais c'est un seul peuple de Dieu. C'est-à-dire que Israël n'est pas différent de l'Église. Et toutes les prophéties bibliques qui concernent le peuple de Dieu s'appliquent donc à cet unique peuple de Dieu. Il ne faut pas essayer de les séparer entre d'un côté des prophéties qui, qui concerneraient Israël entre guillemets selon la chair et qui est aujourd'hui euh, compris comme étant les Juifs, et de l'autre les chrétiens. Et ça, c'est vrai que c'est une position qui, je dirais, est quand même très minoritaire dans le monde évangélique, puisque souvent les évangéliques, et maintenant c'est d'ailleurs un peu repris même dans la théologie catholique romaine, souvent les évangéliques ont tendance à considérer qu'il y aurait des prophéties de l'Ancien Testament qui s'appliqueraient uniquement aux juifs et qui devraient euh, s'accomplir littéralement. Par exemple, moi j'ai souvent grandi dans des églises où on enseignait qu'il y aurait une reconstruction d'un temple à la fin des temps pour recommencer les sacrifices. Vous voyez Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc bonsoir Salim, bonsoir Yah Awada. Alors, petite question, est-ce que déjà par rapport à cette première présentation, est-ce qu'il y a des questions justement par rapport à ce que j'ai expliqué ou est-ce qu'il y a des remarques Est-ce que ça vous paraît clair Ou est-ce qu'il y a des points à éclaircir Alors, sinon, je vais tout de suite répondre à la question de Vincent Qu'est-ce qu'on fait des fêtes annoncées dans la Torah Alors, euh, la réponse est très simple dans la perspective de la Nouvelle Alliance, les fêtes euh, annoncées dans la Torah, comme par exemple Pâques euh, et les autres, étaient des fêtes réservées aux Israélites sous l'Ancienne Alliance. Et donc un chrétien euh, n'a plus à les suivre. D'ailleurs, en réalité, ces fêtes ne peuvent plus être suivies. Euh, Aujourd'hui, le judaïsme rabbinique s'est inspiré de ces fêtes, mais a été obligé de euh, complètement, entre guillemets, les réinventer parce que euh, ces fêtes nécessitaient un système sacrificiel qui n'existe plus. Et par ailleurs, les rabbins n'ont plus non plus l'ancien calendrier. Donc euh, voilà. Alors je regarde. Question, euh, remarque de Yahawada. Cela s'appelle la théorie du remplacement, la théorie du remplacement d'Israël par les Églises. Alors, pas exactement, en fait, euh, dans le sens où il y a une continuité entre Israël et l'Église. C'est-à-dire que Israël était le peuple de l'ancienne alliance, mais c'est aussi le peuple de la, la nouvelle alliance. Il faut d'ailleurs savoir que l'Église, c'est un terme grec qui veut dire « ecclésia », et dans l'ancienne alliance, il désigne le peuple d'Israël. De même, dans la nouvelle alliance, on considère que Is Israël est un synonyme de l'Église. Simplement, ce qui a changé, c'est la composition ethnique de ce peuple. Euh, dans l'ancienne alliance, Israël, c'était, pour ainsi dire, majoritairement, de manière... Euh, les Israélites, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Même si certains... Euh, Pouvaient, certaines personnes, d'autres peuples, pouvaient les rejoindre. Et on a des cas célèbres, par exemple, Ruth la Moabite. Donc, elle, elle vient du peuple de Moab et elle rejoint euh, les Israélites. Il faut d'ailleurs savoir que, à l'époque de Jésus, les, les rois des Judéens, notamment Hérode, en fait, n'étaient pas, des, euh, des, pas à l'origine des Israélites. C'étaient des Arabes qui ont été convertis de force. À l'époque des Maccabées, Donc il y a à peine un siècle avant. Euh, et donc la différence, c'est que donc, sous l'ancienne alliance, Israël, c'était majoritairement les Israélites, les descendants euh, d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors que sous la nouvelle alliance, cela commence avec des Israélites, puisque Jésus euh, descend de la tribu de Juda, tous ses disciples sont aussi Israélites, mais très vite, c'est ouvert en fait aux autres nations, à des membres euh, de tous les peuples. Et donc aujourd'hui, on peut dire que l'origine ethnique n'est plus importante. Euh, on peut faire partie d'Israël tout en étant africain, asiatique, arabe, européen, peu importe. Euh, David, n'y a-t-il pas un fourmoyement de ces évangéliques qui se trompent sur le retour physique de la Nouvelle Jérusalem. Alors, euh, consciemment ou pas, euh, je ne pense pas qu'ils se trompent consciemment, c'est-à-dire qu'ils sont sincères dans leur démarche, mais effectivement, Robert, je pense qu'ils se trompent. Après ça, on, on développera surtout, je pense, dimanche, lorsque j'évoquerai la, la question du sunnisme chrétien. Mais euh, si ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos là-dessus, déjà, où j'aborde ce sujet dont une d'ailleurs euh, que j'ai faite si ça t'intéresse euh, au Vatican. Hop là, c'est celle-là. C'est une conférence que j'avais faite au Vatican, exégèse biblique et en, en engagement politique. Après là, je l'ai réenregistrée chez moi, mais à l'origine je l'avais fait au Vatican. Euh, bonsoir. Alors je regarde s'il y a Euh, donc les questions par rapport au sionisme chrétien, je vous propose euh, d'en parler dimanche. Alors la question de Douzil très intéressante. Bonsoir. Pourquoi Paul assiste à une conversion d'Israélite dans le futur euh, Je suppose peut-être tu veux dire insiste. Euh, alors pour moi en fait c'est pas dans le futur, c'est euh, un appel à la conversion avant justement la destruction du temple. Mais ça, ça rejoint une autre question euh, qui est le prétérisme. Alors, question de Robert. Euh, comment Israël va-t-elle accepter de partager la promesse alors que partout dans l'Ancien Testament, il y a une promesse faite uniquement à ce peuple C'est une très bonne question, Robert. En fait, du point de vue de la théologie de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de partage de la promesse. Et d'ailleurs, euh, l'apôtre Paul l'explique bien dans euh, On va regarder ensemble. La question, c'est qui est Israël Et là, Paul l'explique bien dans Galate. Regarde, on va lire Galate 4 euh, ensemble. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. On va essayer de zoomer pour que ça soit plus gros. Est-ce que vous voyez Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celle qui était mariée. Donc, en fait, Paul explique que les, cette promesse qui est faite euh, et auquel tu fais référence, Robert, sous l'ancienne alliance, en fait, elle vise euh, la nouvelle alliance, cette promesse qui est faite à Abraham. Vise en fait la nouvelle alliance et donc l'Église. Alors, je continue. Euh, David, je suis sauvé par la foi et non par les œuvres. Quelles sont les œuvres dont Paul parle Alors, en fait, euh, je l'avais expliqué dans un autre direct. Euh, la... Il ne faut pas opposer la foi par les œuvres et les œuvres. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par les œuvres de la foi. Mais j'insiste pas ce soir. Je regarde si. Les chrétiens, Shabbatarianisme, sont pour moi le plus proche du texte. Est ce que tu peux expliquer ce que tu appelles le Shabbatarianisme? Est ce que pour toi ce sont les chrétiens qui suivent le Shabbat ou est ce que c'est autre chose? Euh, David, je parlais d'Israël actuel, Israël qui doit encore se convertir à Jésus. Alors, quand tu dis les Israël actuel, est-ce que tu parles des Juifs ou est-ce que tu parles de l'État euh, d'Israël En fait, dans tous les cas, euh, l'Israël actuel, euh, est pour moi, et dans la perspective justement de ce livre que je présente, dans la théologie de la Nouvelle Alliance, Israël, c'est juste un synonyme de l'Église. C'est-à-dire que son Israël... Tous les chrétiens, qui, toutes les personnes qui ont été régénérées, en fait. Euh, bonsoir David, si Dieu est bon, pourquoi nous envoie-t-il en enfer après notre mort Alors, je ne vais pas en parler ce soir, mais j'ai fait euh, deux codes libètes sur le sujet. Champignon, si tu veux regarder. Euh. La nouvelle alliance a été inventée à l'intérieur de l'ancienne alliance, pas à l'extérieur. Oui, est-ce que tu peux développer, Jean-Philippe, pour nous expliquer ce que tu entends par là euh, A priori, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, mais est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends pour être sûr qu'on qu parle de la même chose Alors là, euh, Yahwada soulève une question intéressante, c'est euh, qu'est-ce qu'on entend par la loi, et notamment lorsque Paul parle de la loi de Dieu. Et là aussi, c'est quelque chose qui diffère euh, d'une approche à l'autre. C'est notamment pour les souvent dans les milieux réformés, on considère, et là j'avais l'impression que c'était aussi un peu par exemple la position de Michael, avec qui j'ai débattu, que la loi de Dieu, en fait, ce sont les dix commandements. Tandis que dans la perspective de la théologie de la, de la Nouvelle Alliance, on considère que les dix commandements euh, appartiennent à la loi de Moïse et doivent, ne doivent pas être séparés de la loi de Moïse. Mais la loi de Dieu, c'est la loi créationnelle, c'est-à-dire ce que Dieu a institué au moment de créer le monde. Et c'est cette loi-là qui est euh, gravée dans le cœur de chaque être humain. Et c'est d'ailleurs pour ça, quelque part, qu'on a euh, une conscience morale. Alors, je vais essayer de retrouver le passage. Je crois que c'est Romain 2. Je vais euh, tout de suite regarder. Voilà, c'est Romain 2. Je vais vous le mettre ici. Hop, là, je zoome. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens. Qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc là, on voit bien euh, qu'il y a une, euh, une loi qui est gravée dans le cœur de chaque être humain. Et cette loi, justement, dans la perspective de la théologie de la Nouvelle Alliance, c'est une loi créationnelle. Donc la loi de Moïse reprend, bien sûr, des éléments de cette loi créationnelle. Par exemple, euh, tout ce qui concerne euh, nos rapports avec le prochain, ne pas tuer, ne pas voler, mais aussi tout ce qui concerne la sexualité et tout ça. Ça, ça remonte à la loi créationnelle. Et la loi de Moïse la reprend. Mais il faut bien voir que si on suit ces principes, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent aux dix commandements, mais parce qu'ils ont été institués par Dieu dès la création. Alors, je continue à, à, à regarder les commentaires. Jacob a aussi épousé deux servantes et leurs enfants pourtant n'ont pas été discriminés comme l'était Ismaël. Pourquoi Alors là, il faut bien voir que euh, ici, euh, Paul euh, se place d'un point de vue allégorique, comme il le dit lui-même. Après, dans l'histoire, on voit bien que Ismaël a quand même une destinée euh, importante, dans le sens où Abraham, euh, certes, l'écarte, mais il est doté de ressources considérables et tout ça. Donc Ismaël n'est pas du tout malheureux non plus. Mais si tu veux, on pourra en rediscuter une autre fois plus en détail. C'est une bonne question, effectivement. Alors oui, Yahouada, juste garder le Shabbat, je l'expliquais par rapport à ce que peut-être que tu arrives à, après. Dans la théologie de la Nouvelle Alliance, on garde bien sûr le Shabbat, mais le Shabbat ne se garde pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne doit plus observer un jour précis, en l'occurrence le samedi, mais on doit en fait continuellement se confier en Dieu. C'est ça le véritable repos. Je regarde s'il y a des... des remarques. Alors, pour Champignon, pour ta question, euh, si tu veux, on en reparle dimanche pour le prochain Code Libet, car aujourd'hui, le but est vraiment euh, de discuter de ce livre-là et euh, de, la, de la théologie de la nouvelle alliance. Alors, oui. Le Shabbat commence le vendredi soir parce que dans la façon juive de calculer les jours, en fait, chaque jour commence euh, entre guillemets le soir du précédent. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, dans la façon juive de calculer, on est déjà euh, en fait le Shabbat. D'ailleurs, par exemple, si j'étais un juif orthodoxe, je pourrais pas faire ce direct en, en même temps, enfin, en ce moment, car je, je transgresse le Shabbat. Euh... Donc, ne pas travailler toute la semaine, ne pas allumer de feu toute la semaine. Mais justement, ça en fait, ce sont des, des lois qui sont liées au Shabbat sous l'ancienne alliance. Mais ce Shabbat sous l'ancienne alliance n'était qu'une nombre des choses à venir. Et aujourd'hui, le Shabbat, ce n'est pas s'arrêter de travailler à un moment donné ou ne pas allumer un feu, mais c'est se confier en Dieu en fait. Et ça, l'auteur de l'épître aux Hébreux l'explique bien. Regarde. Alors, c'est développé euh, notamment dans les chapitres 8, 9, 10. Là, je cherche le verset exact. Alors. Oui, là, en fait, du coup, c'était le, le chapitre 4. Je regarde. Voilà, c'est le chapitre 4. un là, je vais afficher le texte. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous en tendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs car si Josué leur eût donné le repos il ne parlerait pas après cela d'un autre jour il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne donne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, en fait, on voit que le sabbat de l'ancienne alliance n'était pas encore le repos promis par Dieu, c'était seulement une image de ce repos. Mais sur ce sujet, je vous recommande vraiment la lecture de l'épître aux Hébreux, qui est euh, très riche. Alors, je regarde les réactions et les commentaires. alors est-ce que sous la nouvelle alliance je dois ou pas observer la loi? alors, oui, mais il faut bien s'entendre ce qu'est la loi. la loi que l'on doit observer, c'est la loi de dieu, c'est-à-dire ce, euh, ce qui est révélé par jésus. et en fait, jésus lui-même le dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. mais simplement, cette loi ne peut être observée que euh, en étant régénéré. Alors, il faut préciser, le jour du dimanche, donc je ne pense pas du tout que ce soit la marque de la bête, mais du point de vue de la théologie de la Nouvelle Alliance, pour certains réformés, le jour du dimanche a remplacé le samedi. Mais dans la perspective que je défends et qui est défendue dans le livre que je vous présente, le jour du dimanche n'est pas le remplacement du samedi. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ce qu'on appelle le vendredi saint, c'est autre chose dans la liturgie, euh, c'est ce qui commémore le vendredi où euh, Jésus est mort sur la croix. Mais là, pour les questions tout de suite, ça, ça n'intervient pas directement. Alors, question de champignon. Pourquoi les chrétiens mangent du porc alors qu'il est littéralement inscrit dans la Bible que c'est prohibé d'en manger Alors, justement, là, ça touche à ce que j'explique. C'est-à-dire que l'interdiction du porc, c'était une loi qui était réservée aux Israélites. C'était pas du tout une loi créationnelle. Car lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a créé les animaux, il a dit tout est bon. Il n'y a pas de, des animaux purs et impurs. Tout est bon. C'est seulement après, une fois que l'humanité s'est développée, qu'on a fait la distinction entre ce qui était pur et impur. Et ces lois alimentaires ont été données spécifiquement aux Israélites. Mais sous l'ancienne, dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus à suivre ces lois alimentaires. Euh, oui, donc, je peux violer des femmes et tuer des personnes. Non, justement, Joseph, parce qu'en faisant ça, tu transgresses la loi créationnelle. Je regarde les commentaires en même temps. Euh, toutes les religions prient le même jour, vendredi le dimanche, dimanche qui veut dire jour du soleil qui applique à Rome. Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends, mais en fait, Jésus nous invite à prier tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour qui serait plus sain qu'un autre. En fait, en tant que chrétien, euh, continuellement, on doit être en relation avec Dieu et il n'y a pas un jour, euh, le, vend... le dimanche n'est pas un jour plus, euh, plus sain que le vendredi ou que le jeudi. Nous ne devons surtout pas manger du porc. Alors si tu es végétarien, effectivement, tu dois t'abstenir du porc. Mais euh, si tu manges de la viande, tu peux manger du porc comme de tous les autres animaux. Euh, la loi des animaux purs et impurs existait déjà à l'époque de Noé. Alors, je ne pense pas qu'elle existait à cette époque-là. À mon avis, c'est plus euh, dû au, au rédacteur. Euh... Mais ça, je l'explique. Euh, Joseph, je te recommande mon livre sur ce sujet. Je te mets le lien. Voilà, tu peux te le procurer ici. Voilà, je développe ça. Donc, je te mets le lien dans le chat. Hum... les chrétiens syriaques et coptes ne mangent pas de porc. alors, à ma connaissance, ceux-ci mangent du porc. Euh, peut-être les seuls qui suivent, qui s'abstiennent du porc, il faudrait vérifier. ce sont peut-être les éthiopiens. car je sais que les éthiopiens suivent euh, certaines prescriptions alimentaires de l'ancien testament. Euh, donc, peut-être que les éthiopiens s'abstiennent du porc. mais par contre, à ma connaissance, les, les chrétiens syriaques et coptes en mangent euh, sans problème. Oui, d'ailleurs, Jean-Philippe le dit. Euh, David Noé, c'est la différence entre animaux purs et impurs. Alors, non, justement, euh, la Torah n'est pas établie depuis Adam, ou alors, en tout cas, ça dépend de ce que tu appelles la Torah. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle a été donnée à Moïse n'était pas connue par Adam. D'ailleurs, la meilleure preuve, il y a c'est si la Torah euh, de Moïse était connue depuis Adam, Comment expliques-tu que, par, par exemple, Abraham la transgresse euh, en épousant sa sœur, tu vois euh, David, n'ayant pas peur des mots, la théologie de la Nouvelle Alliance sera-t-elle récupérée par le noachisme qui pousse derrière euh, alors là, j'avoue, je ne vois pas trop le rapport entre le, le noachisme et la théologie de la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu peux euh, développer? David, adhères-tu au livre d'Enoch? Alors, je pense que c'est intéressant de le lire. D'ailleurs, j'en ferai un livre audio sur ma chaîne, je le présenterai, mais euh, je le considère comme euh, un livre secondaire. Mais par contre, je, je le recommande de le lire et je pense qu'il faut l'avoir dans, dans nos Bibles en tant que livre secondaire car il apporte des informations intéressantes euh, sur le contexte historique à l'époque euh, de Jésus. Euh, les messes se pratiquent bien le dimanche. Alors non, les messes se pratiquent tous les jours en fait. Pas, dimanche, c'est là où on se rassemble euh, le plus... Euh, c'est le plus facile, enfin, comme on est en, entre guillemets en vacances, on peut se rassembler plus facilement, mais les messes ont lieu, peuvent avoir lieu tous les jours, comme les cultes, tout ça. Euh, alors, on ne va pas se lancer sur un débat sur la propreté du port. Mais euh, je ne pense pas que le porc soit l'animal le plus, le plus sale. Et en tout cas, euh, les interdictions ne peuvent pas être en rapport avec ça. Et je rajouterais qu'au cours de l'histoire, euh, le fait d'avoir pu manger du porc a beaucoup aidé et a pu sauver parfois les, les populations. Je regarde. 嗯。Um Alors, question, euh, a-t-on des raisons pour ce, pourquoi le port a été interdit Existe-t-il dans des les renseignements dans les livres juifs En fait, il y a différentes théories qui s'opposent, mais souvent les rabbins disent que les lois, euh, ces lois-là, n'ont aucune raison, euh, n'ont aucune justification valable ou logique. C'est-à-dire qu'elles ont été données par Dieu juste pour y obéir. Euh, après, certains essayent de trouver des justifications mais ce n'est pas nécessairement le cas. Historiquement, il y a quand même une hypothèse, c'est qu'on remarque que les animaux considérés comme sacrés, enfin comme interdits par, les, par la loi, étaient plutôt des animaux qui étaient consommés par les, les Égyptiens, et à l'inverse, les animaux considérés comme sacrés euh, par les Égyptiens étaient euh, consommés, donc pouvaient être mangés par les Israélites. Donc il est possible peut-être qu'il y ait une certaine opposition euh, par rapport aux, aux Égyptiens. Mais bon, on n'a pas forcément assez d'éléments pour trancher. En Égypte, l'élevage du porc est interdit. Euh, il me semble que les Coptes peuvent élever des porcs. Euh, alors là, j'avoue, il faudrait vérifier, mais il me semble que les Coptes peuvent, peuvent élever. Je regarde. Alors, question intéressante, pourquoi les Juifs et les musulmans pratiquent la circoncision et pas les chrétiens Justement, parce que la circoncision est un signe, alors qui avait été donné par Abraham, mais comme alliance aux Israélites selon la chair. Et, euh, les, mais c'est exactement comme le Shabbat les chrétiens considèrent que ce signe donné à Abraham était en fait la préfiguration de la circoncision de cœur qu'évoque Paul. Et maintenant, les chrétiens ne sont plus circoncis physiquement, et d'autant plus que la circoncision physique ne pouvait s'appliquer qu'aux hommes, mais c'est une circoncision du cœur qui peut s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Euh Écoutez, si vous voulez un autre jour, on, on discutera de la nocivité du port, parce que là, on s'éloigne peut-être un peu. Euh, oui, remarque. Donc effectivement, dans le, dans le choix du dimanche, il y a un jour, il y a une notion symbolique, car c'est le jour de la résurrection. Mais après, comme je l'ai dit, il faut pas faire du dimanche euh, le sabbat des chrétiens. Et ça, c'est justement quelque chose qui distingue certains réformés de la théologie de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que dans la théologie de la nouvelle alliance, il n'y a pas un jour saint de particulier. Et aujourd'hui, c'est très bien de se réunir le dimanche. Mais imagine par exemple que des chrétiens vivent dans un pays euh, où le jour férié c'est le, le vendredi. Ils pourraient tout à fait se réunir le vendredi. Si euh, les chrétiens qui vivent en Israël, si le jour férié, bah, c'est le samedi, ils peuvent se réunir le samedi. Il n'y a pas de, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors écoutez, je pense qu'on a un peu fait le, le tour de la question car là je, je vois qu'on qu dérive peut-être un peu sur les, les questions alimentaires même si elles sont liées à, euh, même si elles sont liées à, à ces sujets. Euh, je dois te préciser que le plat préféré des Français est le couscous. Bon là je, je ne vois plus le rapport. Euh, simplement pour terminer sur ces questions alimentaires, je dirais que dans la perspective de la théologie de la nouvelle alliance, les lois alimentaires étaient réservées aux israélites sous l'ancienne alliance. et donc, en tant que chrétiens, nous n'avons plus à suivre ces lois alimentaires. ça ne veut pas dire que euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à notre alimentation. je pense que, au contraire, euh, on doit faire très attention à, à notre alimentation, mais il n'y a pas forcément euh, d'animaux qui nous seraient interdits. Euh, alors, champignons, je suis désolé, bon, ce n'est pas grave du tout. D'autant que, que en soi, la question du porc rentre, peut, rentrer dans la peut rentrer dans notre sujet. C'est vrai que là, on dérivait un peu. Euh, Est-ce que je parle anglais Oui, su suffisamment pour, le, pour lire le livre, en tout cas car le livre est en anglais. Donc je le lis sans problème. Par contre, c'est vrai que je fais peut-être beaucoup de fautes quand je m'exprime. Euh, J'avais cru comprendre que l'interdiction du porc provenait de l'ancienne religion égyptienne où on adorait certains animaux. Alors c'est possible qu'il y ait un lien, c'est l'hypothèse que j'ai émise. Après, il n'y a pas non plus de, de certitude. Euh, David, est-ce que nous devons encore suivre le commandement des apôtres pour évangéliser les païens Alors, qu'est-ce que tu appelles le commandement des apôtres Est-ce que tu peux préciser euh, Lorsque Dieu habitera parmi les hommes de la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de Shabbat. Donc, le Shabbat a été fait par l'homme et non l'homme pour le Shabbat comme l'a dit Jésus-Christ. Alors après, je dirais plutôt, euh, de mon point de vue, Robert, en fait, ça, je pense que ça rejoint ce que tu dis, mais je formulerai ça autrement, je dirais plutôt qu'on sera continuellement en Shabbat. C'est-à-dire que quand Dieu, euh, que justement, le, ce sera le repos complet. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu euh, le tour de pour euh, ce premier direct car le but euh... ah oui d'accord je, je vois euh, car les apôtres interdisent de manger du sang et la chair animale étouffée et ce commandement est réitéré au concile de constantinople III ah oui tu fais référence du coup au, au concile d'acte 15 alors je pense que c'était plutôt euh, quelque chose de transitoire mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée euh, dans le christianisme et certains chrétiens, notamment en Orient, ont maintenu cette interdiction. Après, moi, je pense que c'était plutôt quelque chose de, de transitoire. Bon, je vous propose de nous arrêter là puisqu'on est euh, déjà à 22h. Je vous remercie euh, tous pour votre participation. Donc, je pense, alors on, on, on verra si ça se confirme, mais faire ça sur un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire euh, chaque vendredi vous proposer euh, un livre autour duquel euh, on discutera et on verra au fur et à mesure euh, comment les, les choses évolueront. Je vais peut-être essayer d'alterner, alors sans garantir aucune, des livres contemporains avec des livres plus anciens. Et je pensais, mais, mais je vous confirmerai ça sur les réseaux sociaux euh, probablement vendredi, donc dans une semaine, euh, vous parler euh, des Pères de l'Église euh, la semaine prochaine. On discutera de, de certains livres des Pères de l'Église. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous propose pour ceux qui veulent de nous retrouver dimanche où là, ce sera vraiment des questions libres. C'est-à-dire que l'idée de vendredi, c'est de discuter autour d'un livre, même si ensuite on a un peu dérivé vers d'autres sujets, alors que dimanche, ce sont vraiment des questions libres, même si ce dimanche, on reparlera plus particulièrement de la question du sionisme, du judaïsme rabbinique et des juifs. Donc voilà, parce que ça a été soulevé la semaine dernière. Euh, voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.